Good morning, allez, Yiden, l'étude sera aujourd'hui les Elohim Nishmat, François Fajib Ben Chana, Janine Ruth Ben Fortune Mazal Fritna et Claude Shlomo Ben Shalom. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous sommes à Sérat Kedushin, Père Kalef, Mishnah Chet, Asmichot, Veat Nufot, Veha Agashot, Veha Kmitzot, Veha Ktarot, Veha Medikot, Veha Zot, Veha Kabbalot. Nohagot, ba'anashim velo banashim, chutz miminchat sota unezira, shehen menifot. Un petit rappel d'abord de la Mishnah précédente. On avait évoqué les mitzvot sur lesquels les femmes sont imposées comme les hommes, et les mitzvot qui n'incombent qu'aux hommes et pas aux femmes. Du coup, on a une Mishnah qui va continuer le même principe. Avec, en me précisant présent, au Beth Amikdash, quand on apporte des korbanot, quel type de mitzvot incombe spécifiquement aux hommes, et ou bien incombe aux hommes comme aux femmes, ou même que aux femmes, comme on a aussi un cas particulier d'une mincha. Et donc, on commence avec deux points importants, juste, c'est-à-dire deux sortes de mitzvot qu'on peut avoir au Beth Amikdash. Lorsque j'amène, moi, je ne suis pas un kohen, j'amène un animal au Beth Amikdash, j'ai des mitzvot à faire face à ce korban, jusqu'à que je le transmette ensuite au Kohen, après c'est le Kohanim qui s'occupe de continuer les mitzvot. Moi j'amène le korban, je dois lui faire, dans certains korbanot, je vais lui faire la smicha, l'appuyer fort sur la tête, en prononçant mon vidouille. Il y a des fois un devoir de faire la tnoufa, de le balancer, ça s'incombe au propriétaire de l'animal, et donc on va voir que les femmes elles ne font pas cette mitzva. Et à part ça, une fois qu'on le transmet ensuite au Kohen, alors le Kohen, il devra ensuite faire toutes sortes de mitzvot, et ben une Kohenette ne pourra pas faire ces mitzvot. D'accord? Comme c'est le principe, donc c'est devenu une telle mitzvot qui incombe au propriétaire d'un tel korban, que ça concerne les hommes et pas les femmes, et puis une fois que le Kohen reçoit, c'est qu'un Kohen homme et pas femme qui peut travailler. On a le premier, c'est Asmichot, le fait d'être somer, Vesamach Yado al Rosh Haola, appuyé sur la tête du korban avant de le faire. C'est une manière de désigner que le korban va partir en expiation à votre place. D'accord? C'est Asmicha. Ve'atnufot, le fait de balancer le korban. Alors ça dépend encore du propriétaire. Ve'ahagashot. Ve'ahagashot, c'est le fait de... C'est encore le propriétaire qui le fait. Lorsqu'on apporte une mincha, c'est une oblation, c'est avec de la semoule. Eh bien, avant de commencer à lui faire tout le rituel, d'abord, la première chose qu'on fait, c'est qu'on l'apporte devant le misbéar. On le fait toucher le misbéar, pas qu'on le récupère, c'est ce qu'on appelle hagasha, d'accord? Présenté au misbéar. Après, ça commence les mitzvot de Kohanim, c'est akmitzot, le fait de lever la pincée, comme on a déjà évoqué plusieurs fois, plusieurs occasions, quand on apporte des oblations, le Kohen, il prend avec ses doigts, c'est la part qui va formater sur le misbéar, et tout le reste de la mincha, elle va être consommée par les Kohanim. Et donc cette kmissa, elle est faite que par les hommes et par les femmes, que par la Kohen homme et pas femme. Ve'aktarot, et bien sûr le fait de faire brûler le korban ou bien même la kmissa, c'est les Kohen hommes. Va'melikot, aussi la melika. La melika, c'est la fameuse shrita particulière qu'on fait sur les volailles, sur les oiseaux au Beit HaMikdash. Lorsqu'on apporte un oiseau, alors tout animal, on le fait normalement un shrita par le cou. Il faut faire la tricha du canet, du vachet, et on fait la shrita par devant. Pour les torim et bnei yona qu'on apporte au Beth Amikdash, pour les tuer, on n'utilise pas un couteau, c'était le Kohen, il avait un pouce, on avait déjà appris comment faire la kmitza, il attrapait le poulet, il n'a pas le poulet, il n'y a pas de poulet, il n'y a que torim et bnei yona, que les oiseaux ou les tourelles, et il les attrape, donc il attrape, et puis avec son pouce, il le fait rentrer par la nuque, il le fait rentrer comme ça, son pouce dedans, et il coupe ainsi le canet, le véchette, la trachée artère, le nosophage. Ok? Donc ça, c'est la kmitza, et ça doit être, c'est la melika, ça s'appelle, c'est fait que par les Kohen hommes et pas par les femmes. Veha azot, le fait d'asperger le sang. Ensuite, quand le Kohen il reprend. Il récupère le sang, Akabalot, d'ailleurs, c'est le premier mot, le prochain mot. Akabalot, le fait de recevoir le sang, alors c'est un Kohen qui doit que recevoir le sang, et aussi, même ensuite il doit asperger, c'est que un Kohen homme qui le fait et pas une femme.
Ok, ben Kohen. Donc toutes ces mitzvot-là, qui sont relatives aux korbanot, elles n'incombent qu'aux hommes et pas aux femmes. Une femme, lorsqu'elle apporte un korban, elle ne fait pas ça. Elle ne fait pas la smicha, elle ne fait pas la tnova. Entre les lignes, on comprend qu'une femme, elle pourra faire la shrita du korban, parce que peut-être que j'explique d'abord, d'une manière plus générale, j'ai un peu des notions élémentaires, mais quand même, vous voulez savoir que lorsqu'on apporte un korban, depuis le moment où on shrita, il y a quatre avodot. Shrita, Kabbalah, Olacha, Zrika. Shrita, c'est quand on égorge le korban. Kabbalah, on reçoit le sang. Olacha, on l'amène devant le misbéach. Et puis Zrika, et puis après on asperge sur le misbéach, la bête de son sang. Là, c'est les quatre avodot qu'on fait quand on fait un korban. En général, un Israël peut faire la shrita. Un Israël, il a la possibilité de faire la shrita, d'égorger le korban. Mais après, pour recevoir le sang et tout le reste, c'est le Kohen qui le fait. De là, on éduque une femme aussi, elle peut faire la shrita, il n'y a pas de problème. Par contre, que pour la Melika, pour les oiseaux, alors la femme, elle ne pourra pas, une femme Kohenette, elle ne pourra pas faire la Melika. Ok ? Donc, tous ces misotes-là, Noagot, Ba'anashim, Velobanashim, elles sont concrétisées, réalisées par les hommes, elles sont en usage par les hommes et pas par les femmes, et les femmes, elles ne doivent pas le faire. Chutz me minchat sota o nezira, shen minifot. Il y a deux exceptions. Une, la minchat sota. La sota, c'est la femme qui a un soupçon d'avoir eu un écart avec un étranger. Elle doit apporter, on a appris la sacrée sota, elle doit apporter faire le rituel de la sota lorsqu'on va effacer la paracha et tout ça. Mais avant de faire ce rituel, elle doit d'abord apporter une mincha. La mincha qu'elle va apporter, alors elle doit faire la tnufa. C'est l'oblation qu'elle apporte d'orge, la balancer, faire la tnufa. Ouais, mal et moride, molich mevi. Et ensuite, et aussi le deuxième, c'est la nézira. Une femme, elle peut être nazir, bien sûr. Et dans ce cas-là, ensuite, elle devra finir sa nézirut, elle devra apporter une mincha, et cette mincha-là, elle devra la balancer aussi. Et puis, excusez-moi, je me trompe, c'est pas il n'y a pas de mincha. C'est le shalmé nazir, le shlamim du nazir, elle doit le balancer aussi, et même la femme, elle devra le balancer aussi, d'accord? Le balancer, de faire le balancement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, comme tout vous savez.